La carte du jour, la dame à l'œuf de boche. Sagesse ancienne. Alors. Message, vous avez l'impression qu'une sagesse ancienne vous a été transmise et que certains aspects de celle-ci sont inconnus, voire un peu sombres. Vous allez probablement reçu un message d'une époque où de gens comme vous, les mythiques, les marginaux, ont été opprimés et châtiés à cause de leurs dons naturels. Dans ce cas, étudiez la Renaissance ou le Moyen-Âge afin de comprendre pourquoi cette connaissance vous a échu à vous, un être humain qui a la bonne fortune de vivre dans des temps plus heureux. Mettez cette connaissance en sécurité et apprenez tout ce que vous pouvez. Explorez les symboles érotiques, ésotériques, l'histoire, la magie, la nature, la spiritualité. N'oubliez pas que tant que vous êtes en sécurité, il vaut mieux garder le silence sur certaines pratiques. La dame vous parle. La ville où je vis est en feu, le ciel rempli de fumée et de hurlements. J'ai fait de mon mieux pour sauvegarder ce trésor de la librairie sacrée. Je le mettrai en sûreté, apprendrai par cœur ce qu'il contient et m'assurerai que ses vérités survivent pour les générations futures. J'espère que vous comprenez l'histoire de ce savoir et que vous accepterez et reconnaîtrez la liberté de votre temps et que vous vous chargerez de cette mission. Peut-être trouverez-vous un jour cet œuf, et vous serez la personne choisie pour garder cette connaissance qu'on le croyait perdue. Peut-être êtes-vous déjà un gardien de sagesse. Si c'est le cas, sachez que vous traitez et laissez les secrets venir au jour en leur temps. Je vous apporte les symboles des alchimistes, les secrets, la sagesse des magiciens et des sorcières, des herboristes, etc., tous sauvegardés sous cette étrange forme d'œuf. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de petits bonheurs dans vos vies, et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.